Fils, déjà. Bonjour. Ça y est, on est prêt. Oui. C'est ma mère qui ouvre le bal. Oh. Voilà, donc c'est bon, on a toutes les affaires. Beaucoup d'affaires, mais c'est pas grave. On est parti pour 5 heures de route. C'est moi qui conduis tout le long, mais c'est pas très grave non plus parce qu'on va s'arrêter plutôt souvent. Voilà, et c'est parti. On arrive au puits tout à l'heure et je vais direct déjà dans une mercerie parce que je veux absolument m'acheter des boutons. Voilà. Pas de laine, non, pas de laine. On est prêtes ? Allez, on y va. Allez, c'est parti. Un gros bisou à tout à l'heure. C'est parti. Youpi, youpi, youpi. Bon bah, c'est parti pour 5 heures de route. Je me mets où, moi ? Première halte, on a passé Albi et donc on a encore au moins 3 heures de route, voire 3h30. Petit pipi et petit café, oui, 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 parce que le café c'est la vie. Voilà, donc c'est moi qui conduis, ça passe bien et c'est cool. Voilà, à plus tard. Bon appétit. Il les a affamés. Bah oui. Donc, petite halte jusqu'à... On est à l'autoroute A75, donc qui relie Clermont au viaduc de... Enfin, à Millau, et en gros, il passe par le viaduc, mais nous, on n'y va pas. On va vers Clermont-Ferrand, et après, on va attaquer la dernière partie du voyage, et on passe dans le chemin de Compostelle. Donc là, on va être hystérique. Et c'est cool. Et on mange des croque-monsieur. Il y a qui filme ? Alors bonjour à tout le monde, je voulais juste prendre la parole quelques minutes pour dire un grand merci à tous ceux qui nous ont écrit des mots gentils pour Gilles, pour moi, pour voilà. Et maintenant on a envie de vivre à 1000 à l'heure et de profiter du moment de famille. Voilà, donc merci à tous et puis là on va vraiment passer de bonnes vacances en famille. Voilà. On dirait une instite. Mais je suis un stit. C'est reparti. Ce que ça donne, hein. Bon bah bonjour à tous et merci pour vos petits mots et tout, mais tout va bien et on part en vacances et on va marcher et tout va bien. Et tu vas faire attention. Et je ferai attention. Et tu vas nous écouter. Et je vais les écouter. Et là t'es filmé. Ah bon, je suis filmé. Ah, coucou, ça y est, on est arrivé, on est au puits envelé. J'ai roulé tout du long et ça s'est bien passé. Bon, un peu chaud à la fin, un peu fatigué à la fin. On a un peu ralouillé, mais ça va. Enfin, mon père a ralouillé et nous on a fait ok, tout va bien. Regardez où on est. C'est trop beau. Regardez-moi ça. Ça va être beau cette nuit, regardez. Je vous montrerai parce qu'en fait on va au restaurant qui est juste en dessous. Parce que là, avec ma mère, on va monter jusqu'à la chapelle pour voir le temps qu'on... Enfin, la cathédrale, pour voir le temps que l'on va mettre. Parce que demain, à 7h, on assiste à la messe. C'est une messe de bénédiction, en fait. On y va ou on n'y va pas, on n'y croit pas. Je vous l'ai dit, vous faites comme vous le sentez. Le truc, c'est que quand on fait les chemins de Compostelle, en fait, il y a quand même une partie prenante autour de la religion, autour des croyances... Je ne sais plus où j'en étais, donc autour de la croyance, etc., de la spiritualité, des envies, voilà. Et donc du coup, ben, on est parti dans l'optique de faire la messe, être béni, etc. Bon. Mais surtout, en fait, quand on va dans cette messe, en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on va voir tous les randonneurs, et là, on appelle ça des pèlerins. Tous les pèlerins, en fait, qui vont faire partie de notre voyage, qui partent en même temps que nous, qu'on croisera peut-être dans notre périple. Et en fait, c'est ça qui est hyper intéressant et hyper plaisant, c'est qu'en fait, on croise des gens qu'on va voir tout du long de notre randonnée. Tu peux venir, Céline. et en fait, souvent, le prêtre demande, en fait, qui vient d'où et il y a le monde entier et c'est juste incroyable, voilà. En plus de cela, on est donc passé par les chemins et c'était
incroyable parce que mon père débarque. De toute façon, mon père débarque toujours quand je commence à parler, hein, vous le savez. Voilà. Et en fait, on est dans de la verdure. Oh la vache, c'est magnifique, c'est magnifique. Alors comme je conduisais, je n'ai pas tout regardé, mais ouais, c'est sublime. Voilà, et donc vous, en question dans le dernier commentaire, vous demandiez qui était Céline. Bah Céline, c'est ma meilleure amie, mon amie d'enfance que j'ai depuis 30... Beaucoup. 30 ans et quelques, voilà. On était en sixième et du coup, voilà, on ne s'est plus jamais quitté, quoi, voilà. Et vous allez voir, c'est un bout en train. Voilà. Bon, je vous laisse. Je vais marcher avec ma petite famille et Céline. Et je vous montre un petit peu ce qu'on va faire. Juste un peu comme ça. Et il faut que j'aille dans une mercerie pour acheter des petits boutons. Voilà. À plus tard. Alors, avec ma mère, on s'est installé à une terrasse. Mon père est parti avec Céline monter jusqu'à la chapelle. Voilà, donc bon, il va essayer d'y aller doucement. On lui fait confiance, hein, on lui a dit. Et donc du coup, là j'ai acheté des boutons, je vous les montrerai tout à l'heure quand je serai à la maison. Pour le pull et ma mère donc a acheté comme vous avez pu le voir elle a acheté de la broderie, enfin du point de croix spécial cuisine, voilà. Donc elle est contente, c'est mon père qui lui offre et pour la fête des mères, voilà. Et moi je vais tricoter la laine que j'ai teinte. J'ai trop hâte, je vais faire des chaussettes toutes simples. Voilà, et on verra bien ce que ça donne. J'ai trop trop hâte. Bon, j'ai un peu bu. Alors, je vais finir ce vlog ici. Parce qu'après, je ne sais plus dans quel état je serai. J'ai pas trop bu pourtant. Hein. J'ai bu deux petits verres. Mais moi, c'est terminé, c'est foutu. Comment ça, tu parles? Attention. Bon, demain matin, lever 5h30 pour être prête à 6h. Parce qu'on déjeune. Et ensuite, c'est parti. C'est parti. Je vous emmène, je vous embarque. Youpi, youpi. Gros bisous et bonne soirée. Et... Non, du coup, ça sera pour vous, ça sera demain matin. Donc, bonne journée. Gros bisous, ciao. Un bisou, ma mère. Bisous.